Thank you.
Bravo, on peut les remercier et remercier aussi Sophie et Nicole, leur chef d'orchestre qui a travaillé avec nous pendant toute cette année. Malheureusement, elle fait qu'un an parce qu'elle est prise au conservatoire l'année prochaine en prof de percussion. Mais elle a fait un super travail avec nos jeunes et on était très contents de travailler avec elle, donc on peut l'applaudir très fort. On applaudit aussi Kelly, Alice, Romane et Adèle. Il va nous falloir 5 minutes pour pouvoir s'installer, donc les jeunes, vous pouvez venir vous installer. Je pense que d'ici 3-4 minutes, sans précipitation, on va réussir à commencer avec l'orchestre Percu & Brass. Thank you.
pas l'habitude. On l'a pas répété. Ce morceau est un morceau de Hans Zimmer, il s'appelle Time. On va partir sur un morceau que je ne présente pas, puisque je pense que tout le monde l'a déjà dans l'oreille. Ça reste compliqué.
On va surtout leur laisser le temps de se réorganiser à chaque fois entre les morceaux. Normalement, on y a pensé, mais c'est vrai que le vent, c'est toujours un... Il faudrait connaître toutes ces partitions par cœur. Mais j'en profite pour vous dire qu'en fait, c'est un... les 9 morceaux qui sont joués aujourd'hui, c'est des morceaux qui ont été travaillés surtout les 2 derniers jours. Et on avait fait, et puis toute l'année, hein, toute l'année évidemment, mais toute l'année en groupe séparé. Donc on a réuni les 2 groupes seulement pour 2 répètes au mois de juin et seulement 2 jours ici. Donc c'est pour ça, on est en termes de connaissance des morceaux par cœur, on a besoin des partitions. Harry Potter, et on va enchaîner avec un morceau qui s'appelle Game of Thrones. Thank you.
continue avec un arrangement de Leonard Cohen qui s'appelle Alléluia.
un peu moins d'expérience que les autres. C'était bien quand même. On peut les applaudir très fort alors. Si on donne deux parties à ce concert, enfin une troisième en comptant l'orchestre de percussion, mais deux parties à cette partie-là, et bien là on rentre dans la deuxième et dans la dernière partie. Ceux qui veulent chanter, vous pouvez chanter. Ceux qui veulent danser, vous pouvez danser. Ceux qui veulent faire les deux en même temps, vous pouvez faire les deux en même temps. C'était Georges Brassens. Allez, oui, à l'oreille.
Le morceau s'appelait Smoke on the Water avec un bel accent anglais. Et le prochain s'appelle The Kid and Alright. C'est mieux.
Tiens, donne-moi le...